Bon, on est tous d'accord, déjà les amis, pour commencer, depuis le commencement, que Wood Junior c'est le meilleur. Wood Junior il est bon. Wood Junior il déglingue tout le monde. C'est trop facile pour lui, les amis. On le sait, non? Moi je pense que vous le savez déjà. Mais les amis, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la base d'une bonne progression, la base d'une montée en puissance, la base de, comment dire, la régularité, si tu vois ce que je veux dire, eh bien c'est l'entraînement. Et il s'avère que ça fait bien longtemps que Wood Junior ne s'est pas entraîné de type entraînement. Bref, du coup on va aller s'entraîner. Ah oui, j'avais oublié. Yo tout le monde sait pas, blablabla. Blablabla. Et n'hésite pas à lâcher le petit like des familles, partager la vidéo si tu ne l'as pas déjà fait, t'abonner, lâcher le commentaire, puis voilà. Bon, on va s'entraîner ou quoi? C'est parti pour le petit entraînement. Ouh, il y a le petit tournoi des familles, papa, oui, n'aimait pas ça. Papa, oui, il n'aimait pas ça, les gars. Donc je pense que Will Junior... Ouh, Will Junior, il n'aime pas ça non plus, je pense. Après, je dis ça, je ne dis rien. Ouh. Mais je pense que Will Junior ne va pas aimer ça non plus, c'est légèrement... compliqué. Allez les gars, c'est quand tu veux coach. Allez, c'est trop facile là. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu veux coach? Nous t'écoutons, mon petit Eric des familles, mon petit papa Eric, mon petit coach. Si t'avais... Ouais, ok, c'est... on écoute. We gotta be better at containing the basketball. Let's set up in some one-on-one full court. You know the drill. Intensity. Intensité. Papa Wu et les coachs, ils leur disaient toujours ça aussi. Intensité, intensité. Un contre un, tout terrain. Ok, on connaît le NV1. Allez, tu vas prendre. Quoi? Mais d'où? Non. Wood Junior, Wood Junior. Ah, c'était pour le suspense. C'est pour le suspense. Wood Junior fait exprès de prendre le ballon pour faire genre, les amis. C'est fait exprès. Allez, voilà, on passe aux choses sérieuses. Voilà, merci beaucoup, Dragibus. On y... Écoute, écoute, bon, c'est pas vraiment ce qui était bien prévu, mais on fait, voilà, on a, comment dirais-je, nous avons anticipé, voilà, pardon, oh shit, ok, Dragibus de Kellox a l'air d'être plutôt chaud, même si c'est rien de vraiment spécial, hein. Nous on va, regardez, petit double pas, hop, hop, non mais, oh Junior, réveille-toi, le dieu. Wood Junior, voilà, défend, voilà, bien joué. Oh, le rebond, allez, voilà, merci. En fait, il t'a laissé prendre le ballon pour mieux te contrer, Dragibus. C'était tragique. Mais oui. Papa, vous avez vu mon haut. Il fut un temps où, en fait, j'étais large dedans. Mais j'ai quand même, je suis un petit peu serré, mon gars, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que... On bat les couilles. Bref, on continue, les gars. Allez, 2-2. Dragique, tu vas avoir une destinée plutôt tragique. Parce que nous allons défendre. Et voilà, le petit rebond des familles. On court. Et là, tu vas prendre... Pouf, bitch. Le petit moulin avant des familles, mais oui. Je t'ai dit, c'est comme toi, comme mes adversaires, gros. Hein. Bon, je viens de dire, si tu veux pas perdre ton temps, si tu veux pas te blesser, si tu veux pas, voilà, si tu veux pas te faire humilier, type humiliation, tu me laisses... Marqué tranquillement. Bon, moi, histoire de dire que j'ai du respect pour toi, qui a porté l'équipe lors de ces playoffs avec le petit divide des familles, eh bien, je te laisse un petit peu, voilà quoi. Hop, là, je te baise, et on en parle, hop. Et hop, tu vas faire quoi, poteau? Même si j'ai pas d'équilibre, je le mets. Donc bon, j'ai envie de te dire. Après, l'équilibre, il est plus là depuis un moment, depuis que j'ai pris le... Depuis que j'ai pris la place de titulaire, entre toi et moi, il y a plus d'équilibre parce que je te baise. D'où tu mets ça, Dragique? D'où tu mets ça? Allez, dépêche-toi de revenir, là. J'ai la balle de match. Je voudrais pas te... Voilà, je voudrais pas perdre de temps. T'as peut-être ta série télévisée à regarder. Voilà, merci beaucoup. Apparemment, oui. Et... Pouh! Le petit 360 des familles. Tu vas faire quoi, poteau? La médaille d'or. 15 bonus temporaires en pressing. Force que c'est le poteau contre les ballons. Allez, bitch. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire ensuite? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Eric? Qu'est-ce qu'il y a, poteau? On t'écoute, bro. Nous t'écoutâmes. Bon, on t'écoute. Ok. Ok, une situation de jeu. Plutôt compliquée, donc ça va être le coup. On va avoir 5 points de retard, il va falloir reviens dire. Alors, atelier de situation de fin de match. 4ème carton. 23 secondes restantes, nous avons 3 points de retard. Ouh, 3 points d'avance. Ouh, mon dieu. Ok, les amis, on a 3 petits points d'avance, il reste quelques secondes, donc on doit réussir à défendre deux verbes. Défendation, ce qu'ils devraient faire, je pense, éventuellement. Voilà, ok, ils l'ont mis, les gars. Un petit point d'avance, ils vont faire les fautes. On en parle, hop, voilà, c'est aussi simple que ça, voilà. Hop, tu m'as vu, tu m'as vu. Oh, non, pas sur lui, Elden, ils vont faire du hack-lui-hole.
Et après, les adversaires vont avoir une luole d'expo... Une luole d'espoir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est en 304, les gars. Allez, je mets les deux et on en parle après. Ok, bro? Comme en situation de match, hein, généralement, quand c'est comme ça, moi, je mets mes paniers. Après, on rentre, on prend la douche, touche pipi. C'est parti, quoi. Hein. Allez, 103-304, les gars. Donne le ballon. Voilà, hop. Et 2-1. Voilà, merci beaucoup. La direction, cordialement. Voilà, même si je fais 10 à l'envers. Et 2-2. Voilà, allez les gars, on se prend pas de shoot à 3 points et on en parle up. Ok les mecs, on se prend pas de shoot à 3 points et on en parle up. Allez, tu défends bien Williams. Johnson qui prend son shoot. Ah ouais, ok, d'accord. Je savais pas que t'étais comme ça toi Johnson. Pourquoi tu fais pas ça en match? Pourquoi tu ne fais pas ça en match? Ok, tu joues sur moi, je mets les deux paniers. Et si je mets les deux paniers, poteau, c'est gagné. C'est gagné, poteau. Allez, dépêche-toi s'il te plaît. Allez là, coach là, moi j'ai ma série télé, regardez là. Il y a la saison de Game of Thrones qui va sortir, putain. C'est Wood Junior qui parle, hein, c'est... Quoi? D'où tu l'as de ça, Wood Junior? Arrête de penser à Game of Thrones. C'est pas parce que l'autre il est mort que ça y est, quoi. Voilà. En même temps, ils crèvent tous. Bref, aucun spoil n'a été dit dans cette vidéo. Voilà. Nous avons gagné, les amis, 107 à 105. J'attends la médaille d'or. Voilà, 15 bonus en prêt, en galérité, en attaque, en QI défensif, en QI défense sur le porteur et en QI passe. Ça fait le plaisir, voilà, merci beaucoup la direction. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire? Je pense qu'on va avoir du sprint. Après, on a le truc du tonneau, les gars. On va voir un petit peu. Voilà, tu viens ici. Ou alors c'est de l'autre côté, non? Non, apparemment, on a rien à faire de ce côté-là, donc c'est de l'autre côté, je pense. Avec le truc à la con. Après, on ira faire chier un petit peu les coéquipiers, messieurs dames. Et puis voilà, quoi. Hop, bon, c'est où qu'on a des trucs à faire? Non, lâche-moi ce ballon, s'il te plaît. Voilà, ouh, c'est là, ok. Ça va être le truc qu'on attaque. Ok, attaque en rafale. Attaque en rafale. Hop, vers le gauche. Non, c'était le... Ah non, c'était bon. Hésitation, vers la gauche. Échec. Vers le bas. Ok, je l'ai fait. Vers le haut. Ok, je l'ai fait. Se rendre à la position. Ok, c'est fait. Se rendre à la position. Ok, c'est fait. Vers la droite. Ok, c'est fait. Vers la gauche. Mais non, échec. En même temps, j'ai toujours dit, les amis, ce qui est hyper compliqué avec cet atelier-là, c'est que vous êtes En fait, vous êtes concentré en mode concentré automate sur ce qui se passe en haut à gauche de l'écran pour savoir ce que vous devez faire, mais pas forcément à votre positionnement et tout. Bref, maintenant, on a le petit tonneau à faire, ce que je n'ai absolument jamais réussi à faire. Je compte sur vous pour continuer à me donner des conseils dans les commentaires pour les petits trainings des familles, parce que c'est plutôt casse-couille. Allez, hop, saute. Tu descends et tu remontes. Voilà, terminé. Bravo, on peut applaudir. Bravo. Bravo, atelier échoué. Je suis absolument fier de vous. J'ai absolument jamais réussi à le faire, les gars. Putain de merde. Bref. Et donc, ça y est, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like des familles. C'est pas déjà fait, alors que mon bonhomme est en train de s'étirer, même s'il a fait n'importe quoi. À partager la vidéo, vous abonner, c'est pas déjà fait, pour faire partie de la team part. En tout cas, merci à tous de me suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me supporter au travers de mes vidéos, les amis. Alors, je vous fais de gros bisous sur les fesses. C'était Paf. Bisous sur la fesse. Peace!